death. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. Oh,
Thank you.
Asubuhi ya leo kuwa mbeku na sema ya ni ya mwaka sana.
God have your seat for evil activity. Merci Jésus pour les avoir protégés contre toutes les activités démoniaques. Cover them with the blood of Jesus. Ouvrez-le par le sang de Jésus. Let them make a difference. Qu'ils puissent faire la différence. Between those of their generation. Entre ceux de leur génération. I pray for their parents. Je prie pour leurs parents. That you will meet all their needs. Que tu vas in a good way. Their children. Pour qu'ils puissent bien prendre bien soin de leurs enfants. If you are not building the lives of these children, si tu ne bâtis pas la vie de ces enfants, whatever we can do as parents, we will be wasting our time. Tout ce que nous devons faire, nous allons faire comme parents, nous allons seulement perdre notre temps. But when we are building together with you, mais quand nous bâtissons ensemble avec toi, we know. Nous savons. There will be a feature, a great feature for our children. Il y aura un grand futur pour nos enfants. We bless them, Lord. Yes. Nous les bénissons, Seigneur. They are going for Sunday school. Ils partent pour l'école du dimanche. Teach them your ways. Enseigne-les ta voix. I say the enemy will never steal the word of God from their hearts. Je dis que l'ennemi ne va jamais voler la parole de Dieu de leur bouche. Let the word of God be a seed. Laisse que la parole de Dieu soit une semence that will grow and produce fruits. Qui va grandir et produire des fruits. These children, ces enfants, will never make us as parents suffer. Ils ne vont pas nous faire souffrir comme parents. We will never regret. Nous allons pas regretter. But we will say God is good. Mais nous allons dire que Dieu est bon. And these children are a source of blessing to us. Et nos enfants sont des sources de bénédiction pour nous. As we are source of blessing to them. Comme aussi nous sommes des sources de bénédiction pour eux. For those who do not have children. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Who are married. Qui sont mariés. And desire to have children. Et ils désirent avoir des enfants. Visit them, Lord. Visite le Seigneur. Give them children. Donne-le des enfants. For those who are pregnant. Pour ceux qui sont enceintes. Protect them. Protège-les. Up to the time they will deliver. Jusqu'à ce qu'ils vont accoucher. Under your divine highest security. Sous ta sécurité divine. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Because you are with God. Parce que tu es notre Dieu. In this church. Et dans cette église. No woman will miscarry and there shall be no abortion. Personne ne va avorter. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Piquez bonne et ma prochaine. Our exercise, go and say hi to your brothers, your sisters. Tenez-vous debout et circule dans la salle. Aujourd'hui, for many days. Vous n'avez pas vu pour plusieurs jours. For we Guinea since last year. Pour certains, assez et tu n'as pas rapporté. And wish them all the best for this year 2019. Et souhaite-le de bonnes choses pour cette année 2019. Jesus. Au nom de Jésus. We want to hear from you. Speak to us. Speak to me. Speak to my brother, my sister. Everyone in your house. We want Lord to receive from you. Bless us, Jesus. Holy Spirit, you are the best teacher. Holy Spirit, we worship you. We adore you. We lift up your name high and high. You are King of Kings. You are Lord of the Lord. You are the Alpha and Omega. You does not change. I can change. My brother, my sister can change. But you are the only one who will remain on the throne. The one who is in control. Our healer, God of our deliverance, God of our salvation.
In the mighty name of Jesus, I pray for this congregation. I pray for your people. There is any brother, any sister, for people to be killed. Let that person be set free. In the name of Jesus Christ, let that brother, that sister, that father, that mother, that child be healed in the name of Jesus. Father, thank you because you have brought my brother and my sister in this place to be a source of deliverance to his family. We worship you, Lord. This year, we will not cry. This year, we will not be confused by the power of the enemy. This year, we will not bury people. This year, none of us will be involved in incident and accident. Thank you for your presence. Holy Spirit, speak to us. As your disciples, we want to hear from you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tenda kwa Biblia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Proverbs chapter 26. Proverbe chapitre 26. Verse 2. Verset 2. Nous sommes maintenant Proverbe 13, verse 3. Nous allons encore lire Proverbe chapitre 13, verset 3. Tout est d'accord. Proverbe 21, 23 to 24. Et encore Proverbe 21, 23 à 24. And we will also read Romans 8, 28. Nous allons aussi lire Romains chapitre 8, verset 28. So, when you are ready, si mame ou somme, ou na soma kwa Swahili, kwa English, kwa French, feel free. Celui qui est prêt peut se tenir debout et lire, tu peux lire en français, en anglais ou à Swahili. Tanzania, Proverbs 26, 2. Commençons avec le livre de Proverbes 26, verset 2. Chapitre 26, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Every curse without cause will be powerless. Toute malédiction qui n'a pas de cause sera sans effet. We go to Proverbs. 13, verse 3. Allons en Proverbe 13, verset 3. Whoever opens his mouth, tout celui qui ouvre sa bouche, is destroying his own life. Il détruit sa bouche. Is bringing life. Donne la vie à sa vie. His life. Proverbs 21. Proverbe 21. 23-24. 23-24. Their tongue and their tongues keep themselves from calamity. The proud and the arrogant person mockers is in his name, behaves with insolent fury. Can we read on the same note Proverbs 16? On peut encore lire le livre de Proverbes chapitre 16. Let us read verse 24. Precious words are a honey. When words which are coming out of your mouth are full of grace. Quand les paroles qui sortent de ta bouche sont pleines de grâce. They are like the honeycomb. Ils sont comme le miel. No. Les rayons de miel. Yes. Sweet. Honeycomb is that exact one. Mass.
that is producing honey. Continue. Sweet to the soul and healing to the bones. So these good words will be sweet to your body. Oh, that is strong. That is very powerful. Sera douce pour ton cœur et un médicament pour ton corps. Can we read Romans 8, 28? Lisons maintenant Romains chapitre 8, verset 28. Romans 8, ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. In all these things, the good of those who love him. Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Everything works for toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Love God. Alléluia. Amen. I just want to remind you that we are talking about how to pass from curse to blessing, or how to pass from curses to blessings. Bénédiction ou de la malédiction à la bénédiction. And this is a teaching. Ça, c'est un enseignement. You should always make sure that you come with your book, a place where you can take notes of what God is giving to us. Tu dois toujours te rassurer que tu amènes un cahier là où tu vas prendre note de tout ce que Dieu. What you are receiving today, you can teach it to your sons, to your daughters, to your grandsons, to your granddaughters. Ce que tu reçois aujourd'hui, tu peux aussi les enseigner à tes enfants, tes grands-enfants. You can also teach to other people, to friends, to relatives. Tu peux aussi enseigner à d'autres personnes comme des relations. Bible says you will know the truth and the truth will set you free. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. True deliverance is not in casting demons in the name of Jesus, in the name of Jesus. It starts with the knowledge of the word of God. La vraie délivrance n'est pas dans la prière d'autorité, mais c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Because when you have the knowledge, parce que lorsque tu as déjà la connaissance, and you know who you are in Christ Jesus, et tu connais qui tu es dans Jésus-Christ, even demons will respect you because they know that you are conscious of your spiritual status. Même les démons vont te respecter parce qu'ils savent que tu es conscient de ton statut spirituel. Alléluia. Amen. We talked about what a curse is, what a blessing is. Nous parlions de la définition de la malédiction et de la bénédiction. How do they operate? Comment est-ce que le dé opère? We started talking about different vehicles of curse. Nous avons aussi parlé de différents véhicules de malédiction. And we started talking about sorts of curses. Et nous avons aussi parlé de types de malédictions. We say we have generation curses. Nous avions dit que nous avons des malédictions de génération. We have pronounced curses. Le malédiction prononcée. And we have self-imposed curses. Et nous avons les auto-malédictions. Last Sunday, le dimanche passé, we have taken time to talk about pronounced curses. Nous avions eu le temps de parler sur la malédiction prononcée. And today, et aujourd'hui, we will take time to talk about self-imposed curses. Nous allons prendre du temps pour parler sur les auto-malédictions. We will talk more about the cause, which are the causes of these self-imposed curses. Nous allons plus parler sur les causes des auto-malédictions. We said self-imposed curses. Nous avions dit que l'auto-malédiction, they are not coming from your parents. Les auto-malédictions ne viennent pas de tes parents. They are not coming from your tribe, from your ethnic, from your family. Ça ne vient pas de ta tribu ou bien de ton ethnie ou de ta famille. Number two, they are not coming from pronounced words by other people. Numéro 2, ça ne vient pas de paroles prononcées par d'autres personnes. Someone has been cast by someone else. Quelqu'un qui a été maudit par quelqu'un autre. And last Sunday we saw that the world is evil, is wicked, and because of that,
People are cursing one another even for no reason. Nous avions vu la fois passée que le monde est devenu très méchant et les gens sont en train de se maudire les uns les autres sans raison. But now when we are talking of self-imposed curse, et maintenant quand on parle de malédiction, des auto-malédictions, these are things you have done in your life. Ce sont les choses que tu as fait dans ta vie. That are now bringing curse into your destiny. Qui apporte maintenant de malédiction dans ta destinée. And it can also affect other people after you. Those will come under your umbrella. Et il peut aussi affecter ceux qui viendront sous ta couverture après toi. That's why it is very important for you to be aware of that, so that you will not make other people suffer in the future because of the things you've done during your lifetime. C'est pourquoi c'est nécessaire pour que tu sois conscient que tu ne fasses pas souffrir les autres à cause de ce que toi-même tu as fait dans ta vie. When we talk about self-imposed curse, quand nous parlons de la malédiction, de l'auto-malédiction, sometimes you don't call maledictions upon your life, but you are doing things maybe by ignorance, maybe you are unconscious of what you are doing, maybe you know that this can bring some consequences, but you are just doing them. Il y a des fois, ça ne vient pas à cause de la parole, des paroles que Dieu t'a prononcées, mais tu fais des choses parfois inconscient ou dans l'ignorance, ou bien tu connais très bien que ces choses vont causer des conséquences dans ta vie, mais tu continues toujours à le faire. Now, today, aujourd'hui, we want to talk about cause number one of self-imposed curse. Nous voulons parler de la cause numéro un de l'auto-malédiction. Remember the scripture that we read in Proverbs 26. Rappelez-vous de l'écriture que nous avions lu dans le livre des Proverbes, chapitre 26. Verse 2. Verset 2. The Bible says, la Bible dit, a curse, la malédiction, that is causeless, qui n'a pas de cause, will not have an impact. Ça n'aura pas le fait. People can release curses against you. Les gens peuvent libérer des malédictions contre toi. But if you know, mais si tu sais, that you are innocent, que tu es innocent, you can cancel them. Tu peux aussi annuler ça. You can nullify them. Tu peux les anéantir. That's why. C'est pourquoi. Last Sunday. Le dimanche passé, I said, if you know you are living under curse and it has been caused by you, j'avais dit que si tu sais que tu es en train de vivre sous la malédiction et que toi-même tu l'as causé, you offended your father, your mother, your brother, your sister, people who are lifted in your family in position, and someone has released a negative word against your life. If you do recognize it, just humble yourself. Go, ask for forgiveness, and be a willing to counsel in your curse, because it can affect your life because of the position of that person and because of your sin. Si tu sais que tu vis sous la malédiction à cause de la chose que tu as fait, ça a offensé ta mère, ton père ou une personne qui a plus d'autorité dans ta famille, si tu reconnais ça, va et demande pardon, humilie-toi pour que la personne puisse annuler cette malédiction. But here we are talking about curses that are coming in your life because there is a cause. Mais ici, nous parlons de la malédiction qui vient dans ta vie parce qu'il y a une cause. Cause number one. La cause numéro un. Saying negative things about yourself. Prononcer de paroles négatives contre ta vie. Speaking against your life, speaking against your destiny, speaking against your own family. Tu parles contre toi-même, contre ta destinée et contre ta propre famille. There is power in the tongue. Il y a la puissance dans la langue. Do not forget. N'oublie pas. And today I pray that the Spirit of God will help you.
Et aujourd'hui, je prie que l'Esprit de Dieu va t'aider. The Spirit of God will help me. Que l'Esprit de Dieu va m'aider. And the Holy Spirit will help the entire church. Que le Saint-Esprit va aider toute l'église. To understand that there is power. De comprendre qu'il y a la puissance. In every word that we are pronouncing. Dans chaque mot que nous prononçons. Remember. Rappelle-toi. You and I. Toi et moi. We have been created by the word. Nous avions été créés par la parole. God spoke. Dieu avait parlé. And things came into existence. Et les choses ont existé. You and I, toi et moi, we are created into the image of God. Nous avons été créés par l'image de Dieu. And mostly for us who are in Christ Jesus. Et surtout pour nous qui sommes dans Jésus-Christ. We have the nature of God. Nous avons la nature de Dieu. As our Father can create through the word. Comme notre Père peut créer à travers la parole. As his children, we can also create through the word. Et nous aussi, ses enfants, nous pouvons aussi créer à travers la parole. That's why you will see that nature God has given to it. God has given it to Adam since the beginning of creation. Tu vas voir que cette nature, Dieu a donné ça à Abraham depuis le commencement. God created everything. Dieu a créé toutes choses. God did not have something and he is using it to create. Dieu n'avait rien dans ses mains pour utiliser et créer d'autres choses. He was just saying, let it be, and it was so. Il disait seulement que ceci soit fait, et ça a été. He was calling even angels. The Bible said, God spoke and they appeared. Il appelait même les anges. La Bible dit que Dieu a parlé et tout a apparu. Alléluia. Amen. So everything was created through the power of the word. Donc, toute chose a été créée par la puissance de la parole. Now to make a human being, Adam, understand that he has a portion of the nature of God in him, Mungu akamwambia, I have created everything. Sasa akaleta hizo manyama mbele yake. Akamwambia, you are the one who is going to name them. So God is not the one who called leopard to be leopard or a tiger to be a tiger, a lion to be a lion, a goat to be a goat, dog to be a dog. No, that is not God. It is man who was saying, the way I look this should be called elephant. This one should be called giraffe. This one, that is a man who is giving names. Donc Dieu, pour faire comprendre à Abraham qu'il a cette portion de Dieu dans lui, il a amené tous les animaux du monde devant Adam. Et il lui a dit, commence maintenant à leur donner les noms. Donc c'est Adam qui avait donné les noms de tous les animaux, mais pas Dieu. That's why when you look at the behavior of my animals, you see that these names, they are the correct name. Leo, ikute na kitu ingine wanaangalia lion, lion unasema, you lion, from today you are not lion. I will start calling you banana, it will not make sense. C'est pourquoi si tu vois même la nature des noms que Adam avait donné aux animaux, tu vas voir que ce sont des corrects mots. Si tu viens aujourd'hui avec une banane, tu dis que non, aujourd'hui lion, toi tu seras appelé banane, ça ne va pas marcher. Donc il s'aime coucou, mais coucou. Si tu dis que ça c'est une poule, c'est vraiment une poule. C'est mon nom, mais you see that it has to have, it was supposed to have that name. Si tu dis que c'est une vache, ça a le caractère d'une vache. Qui c'est ma mosquito? Si tu dis que c'est une moustique, c'est vraiment une moustique. Alléluia. Yeah. That's why I tell your neighbor. C'est pourquoi dis à ton voisin. Stay here now. Madina kwa watoto just because umeziona kwa Mungu. Ne don't. Because kuna madina zingine wana tunapata. Najua nilienda Congo. Vous savez, j'étais parti au Congo. Nikapata mama moja amepatia mtoto jina ya Tisho. J'ai trouvé une femme qui a nommé son enfant un papier génie. Nikamuliza hiyo Tisho ni nini? J'ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Akasema ni English. Elle a dit que non, c'est un mot anglais. Do you know the meaning? Elle s'est dit qu'on est la signification. Mais si il y a une sound visuelle, tissue, c'est ça. Attends, je vais te dire. Elle a dit que non, ça sonne bien dans mes oreilles. C'est pourquoi j'ai décidé de lui donner ce nom-là. Ça c'est à Kenya, on a appelé ça aux toilettes.
Elle ne connaît pas tes fiches ou tes papiers hygiéniques. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Because you have seen a name in a movie. Parce que tu as seulement vu un nom dans un film. Maybe that is a name that has been given to a monkey that was playing a role in that movie. Peut-être que c'est le nom qu'on avait donné à un singe qui jouait dans ce film. Because in a movie, kila mutu, kila kitu in final eyes kwa hiyo movie, labda mwisho ya movie dina itoke. Parce que dans un film, tout acteur qui a joué dans ce film, faut qu'on puisse mentionner son nom à la fin du film. Asa kama ujui. Et maintenant, toi, si tu ne sais pas, what is monkey in English? Si tu ne sais pas le nom de singe en anglais, oh monkey, monkey, oh il a sound bizarre. Il n'y a pas de tonton qui n'a monkey. Tu vas dire que le seulement son bien. Je vais nommer ça à mon enfant. Et maintenant, lorsque l'enfant commence à se comporter comme un singe dans la maison, that's why sometimes if you want to what is wrong with this child? C'est pourquoi lorsque tu vois un enfant commencer à se comporter comme un singe, tu dois te poser la question. Maybe qu'est-ce qui va pas avec cet enfant? Just in the name. Peut-être c'est dans son nom. Ask your neighbor. Demande à ton voisin. Do you know the meaning of your name? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Okay, il y a une fois du bête. Quand tu as un devoir. Alléluia. But today, we are talking about is saying. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une personne qui invoque la malédiction dans sa vie à cause de Proverbs says that there is life or death in the power of the tongue. Le livre des Proverbes dit qu'il y a la vie et la mort à la langue. So through your tongue you can destroy, you can build, you can curse, you can bless. Tu peux bâtir, maudire et bénir à travers you ta langue. You can establish your destiny through what you are saying. Tu peux rétablir ta destinée à travers ce que tu parles. You can affect your job, your career through what you are saying. Tu peux affecter ton travail et ta carrière à travers ce que tu parles. Spoken words, les paroles prononcées, they can condemn you, they can justify you. Elle peut te condamner, elle peut te justifier. Last Sunday I was saying, le dimanche passé je disais, even making jokes, même lorsque tu fais de blagues, you need to be careful with what you are saying. Tu dois être prudent de ce que tu parles. Matthew chapter 12, Matthieu chapitre 12, 36 to 37, verset 36 à 37. Jesus is saying, Jésus disait, every human being, tout être humain, shall be judged, sera jugé, because of the vain words that is coming out of his mouth, à cause des paroles vaines qui sortent de leur bouche. Do not say I was just joking. Ne dis pas que non, je blaguais seulement. When you are saying things that can destroy your entire life, pendant que tu parles de paroles qui peuvent détruire ta vie. The way some people are speaking about themselves. La façon dont certains gens parlent de leur-même. They cannot rule, they cannot become great in life. Ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas devenir grands dans la vie. They cannot make their jobs, their careers to succeed. Ils ne peuvent pas faire que leurs travaux et carrières réussissent. Because they are bringing curse upon what they are doing through what they are saying. Parce qu'ils appellent la malédiction dans ce qu'ils font à travers ce qu'ils parlent. The reward of the work of your hands depends on the type of words that are coming out of your mouth. La récompense de travail de tes mains dépend des paroles qui sortent de ta bouche. The Bible says, la Bible dit, in the book of Isaiah, dans le livre d'Isaïe, 44, you can read verse 26. On peut lire le verset 26. God is saying, Dieu dit, I am God, je suis Dieu, who confirms, qui confirme, the words of my servants, les paroles de mes serviteurs, I fulfill, j'accomplis, what they proclaim, ce qu'ils proclament, you and I, toi et moi, we are servants of God, nous sommes serviteurs de Dieu, because pourquoi mtumishi wa Mungu, parce que être serviteur de Dieu, it is not only to be called pastor, c'est pas seulement quand tu es pasteur, or to be called bishop, ou bien bishop, or elder, or deacon, ou bien ancien ou diacre. Every child of God,
tout enfant de Dieu is saved, qui est sauvé, delivered, délivré, to serve God, pour servir Dieu. And the first part of our service to God, et la première partie de notre service à Dieu, is the priesthood. The Bible says, all of us we are being turned into a kingdom of priesthoodness. La Bible dit que nous tous nous avons été transformés au royaume des sacrificateurs. All of us, tous, we are priests in Christ Jesus. Nous sommes des sacrificateurs dans Jésus-Christ. And the sacrifice we offer to God starts with praise and worship. Et les sacrifices que nous offrons à Dieu commencent par l'adoration et la louange. The Bible says, c'est pourquoi la Bible dit, time is coming, le temps vient, and time must come, le temps viendra, whereby the true worshippers, que les vrais adorateurs, will worship God, et adoreront in Dieu, spirit and truth, en vérité et en esprit. So when you are a worshipper of God, alors quand tu es un adorateur de Dieu, you are a servant of God, tu es aussi un serviteur and de Dieu. As a servant of God, et tant que serviteur de Dieu, the Bible says, la Bible dit, God confirms the words of his servants. Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. He fulfills what his servants proclaim. Il accomplit ce que ses serviteurs proclament. So, every time you say something, donc chaque fois que tu dis quelque chose, every time you proclaim something, chaque fois que tu proclames quelque chose, you as a son and a daughter of God, toi étant que fils et fille de Dieu, remember, rappelle-toi, you belong to the kingdom of God, tu appartiens au royaume de Dieu. You are not only the son and the daughter, tu n'es pas seulement enfant de Dieu, but you are a prince, mais tu es un sacrificateur. And you are a princess. Et tu es un prince, une princesse. In the kingship, dans la royauté. When a prince has spoken, quand un prince parle, people must make sure that what the prince has said should be fulfilled. Les gens doivent s'assurer que ce que le prince a dit soit accompli. Ikuwa mzuri ama mbaya, même si c'est mauvais ou bon, it will be fulfilled. Ça doit être accompli. Now, when it is being fulfilled, et quand ça sera accompli, if someone is asking, et bien si quelqu'un demande, kwani umetoa hiyo gari, umeiweka hapa, pourquoi est-ce que tu as enlevé cette voiture et tu l'as mis ici? According to order, it should be here. Parce que selon l'ordre, ça doit être là. Utasikia mtu anasema, no, mfalme ndio alisema hivi, ama the prince, ama the princess ndio alisema hivi. Tu vas écouter quelqu'un dire que non, c'est l'ordre du roi ou du prince ou des princes. I have just obeyed the order coming from the prince. J'ai seulement obéi à l'ordre du prince. Ikuwa mzuri ama ikuwa mbaya. Soit mauvais ou bon. Agents are there to execute. Les agents sont là pour exécuter l'ordre. And to obey. Et obéir. Still the same in spiritual realm. La même chose aussi dans le monde spirituel. The Bible says in Ecclesiastes. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, do not make the angel of God to destroy the work of your hands because of what you have said. Ne pousse pas aux anges de Dieu de détruire le travail de tes mains à cause de ce que tu parles. And then after you say, no, I was not meaning what you are doing or what I am saying was not what I meant when I was saying what I was saying. Et après tu vas commencer à dire non, je ne te pas sérieux de ce que je parlais. It means what? Qu'est-ce que cela veut dire? Angels. Et les anges. They are not like human beings. Ils ne sont pas comme les êtres humains. They are like soldiers. Ils sont comme des militaires. They are there to say yes. Ils sont là pour dire oui. To obey, d'obéir, to submit, de se soumettre, the order that has been given to them, à l'ordre qu'on leur a donné. Angels, les anges, they will not have mercy on you. Ils n'auront pas pitié de toi. When an angel is released to destroy, he will destroy without even thinking about kuna watoto, kuna wamama, kuna. He will just destroy because it is a command. Quand un ange est envoyé pour détruire, il va détruire sans pouvoir même penser qu'il y a des enfants et des femmes. Il va détruire parce que c'est l'ordre. It is like in army. C'est comme dans l'armée. Même s'il est ton père. If you have received a command to take him and put him in jail and beat him, you will obey. And by that, you will be a dad. See, Mimi, you order.
Si on t'a donné l'ordre de l'arrêter, de le mettre en prison et le tabasser, tu vas le faire parce que c'est l'ordre. Now they obey. Et maintenant ils obéissent. To what? To what has been said? Ils obéissent à ce qui a été prononcé. Angels, they obey Jesus. Les anges obéissent à Jésus. Or they obey God. Ils obéissent Dieu. Now you. Toi, as a child of God, étant qu'enfant de Dieu, you have also the mandate. You have the mandate. Tu as aussi le mandat. To command them. De les commander. Not because of you. Pas à cause de toi. But because you belong to the family of God. Mais parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens au royaume de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Are we together? Now let me give you an example. Laisse-moi vous donner un exemple. Askari hapo anafanya kazi kwake. Il voit un militaire qui est en train de travailler chez lui. Anamwambia. Il lui dit. Sitaki kuona hiyo kiti hapo. Je ne veux pas voir cette chaise là. Will he come back again to say the same thing? Est-ce qu'il va encore revenir pour dire la même chose? Now, if the firstborn of President Uhuru, et si c'est le nez du président Uhuru, anatoka, il sort, anaona pia gari on a park hapo, il voit on a parké la voiture là. Anasema hiyo gari mtoa hapo iende pale. Il va dire que je veux que vous puissiez enlever cette voiture de là et amener ça de l'autre côté. Huyu mtu atasema hapana, mimi ayamie for Uhuru, wewe kama mtoto wake hawezi kuniambia nitoe hiyo gari weka. Anaweza kusema hivi? Est-ce que cette personne peut dire que non, moi je suis ici pour ton père, pas pour toi? Est-ce qu'il peut dire ça? Anajua. Il sait. Kama wamemuleta state house. Si on l'a amené dans it is la maison to serve the entire state house. C'est pour servir toute la famille de la maison. Na mtoto wa mfalme. Lorsque l'enfant du roi. He has power. Même l'enfant du roi. Il can command and they will obey. Il peut le commander et il se dérange. That son is a king or is a president because he's under the cover of his father. C'est pas parce que cet enfant est un roi ou un président, mais c'est parce qu'il est sous la couverture de son père. So demons will obey you because you are under the cover of Jesus Christ. Les démons vont t'obéir parce que tu es sous la couverture de Jésus-Christ. Angels will obey because you are under the cover of Jesus Christ. Les anges vont t'obéir parce que tu es sous la couverture de Jésus-Christ. Now listen. Écoutez-moi maintenant. Ata ukitoka kama mtoto wa mfalme. Même si tu sors étant que toi enfant du roi. Ulikuwa unaongea bila kujua what you are saying. Tu parlais des choses que toi-même tu ne savais pas. Oh, hiyo pesa yote hiyo kwa hiyo nini? Mchukue mwende mtumie yote muuze sijui nini. Tout cet argent qui est dans la banque, faisait sortir ça et allez faire dépenser ça à des certaines choses. They may even ask them questions. How can we buy the ABC? Is he thinking of what he's saying? Lakini, they will go. They will obey. They will buy everything. Watakuletea. Na utasema, ah, hey, nini, what am I going to do? Ah, mfalme, simanjo ulisema, tutoke, tufanya ABC. So, I am giving you all these pictures to help you understand that you as a child of God, everything you say, it has power to give life or to give death. Même les anges seront surpris. Comment est-ce que l'enfant du roi nous dit qu'acheter ceci, cela? Et lorsqu'ils vont obéir parce que c'est l'ordre, ils vont amener ça devant le fils. Il va dire, hey, est-ce que c'est moi qui vous ai dit d'acheter tout ceci? Et ils vont dire que non, c'est toi qui nous as commandé. Donc, je veux seulement vous faire comprendre que étant qu'enfant de Dieu, toute parole que tu prononces, ça a le pouvoir de donner la vie et la mort. So in life, donc, dans la vie, if you are too busy, si tu es trop occupé with your business, avec tes affaires, with your ministry, avec ton ministère, with your career, with your studies, avec ta carrière, your projects, avec tes projets, and you don't speak good things to what you are said doing, et tu ne parles pas de bonnes choses à ce que tu fais, you are destroying your own destiny. Tu es en train de détruire ta propre destinée. When you are confessing negative things to what you are doing, quand tu confesses des paroles négatives à ce que tu fais, you will never succeed. Tu ne réussiras jamais. It is impossible to have success without confessing success.
Et c'est impossible d'avoir la réussite sans que tu puisses confesser la réussite. What you say, it is a seed. Ce que tu parles, c'est une semence. That's why. C'est pourquoi. I will never get tired to proclaim great things about my life. Je ne vais jamais me fatiguer à proclamer des grandes choses à propos de ma vie. I don't care about what I'm seeing. Je m'en fous de ce que je parle. I don't care about the situation. Je m'en fous de toutes les situations. Political, economical, any kind of situation. I don't care about the situation. I will speak and I will continue to speak. Que ce soit politique, économique ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas. Mais je vais parler ce que je dois parler. You can adjust your destiny to what you are saying. Tu peux changer ta destinée. You can correct your destiny to what you are saying. Tu peux corriger ta destinée. You can give a light your destiny to what you are saying. Tu peux donner une direction à ce que tu parles, à ta vie. Do you talk to yourself? Est-ce que tu parles de toi? You have time to talk to your destiny. Est-ce que tu as le temps de parler? Do you have time to bless yourself? Est-ce que tu as le temps de bénir? Do you have time to appreciate yourself? Est-ce que tu as le temps de t'apprécier toi-même? Before someone else will come to appreciate you. Avant que quelqu'un autre vienne t'apprécier. It is you. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi et toi-même. Do not wait up to the time someone will come and will jump. Jerusalem. I am seeing the epicity. No. Be the first prophet of your destiny. N'attends pas que quelqu'un autre vienne et commence à faire des cérémonies pour prophétiser à ta vie. Toi, sois la première personne à prophétiser sur ta vie. Sometimes it is funny. When you go to a moon, you have power. You can be the best prophet of your life. You are waiting for someone who is not even a true servant of God, and I just do nini and I put and I confuse my shack, and you believe in it. What kind of prophets do you think God does not have good things to tell you? Il y a des fois, c'est drôle, toi, étant que enfant de Dieu, ou bien que toi-même, tu puisses prendre l'autorité de ta vie, mais tu attends que quelqu'un autre vienne faire des tisanies dans ta vie pour te dire que non, toi, tu ne vas pas te marier, toi, tu ne vas pas aller à l'avant. Et que Dieu, tu penses que Dieu n'a pas cette capacité de prononcer des bonnes choses dans ta vie. Même si ça vient de Dieu. You still have a possibility to negotiate with God. Il y a aussi cette possibilité de négocier avec Dieu. Mais Ézéchias a dit cela. Dieu avait envoyé le prophète Ézéchias. Va lui dire que qui se prépare, il va mourir. Ézéchias a dit non, je refuse, je ne vais pas mourir. And tell God, va et dis à Dieu to remember me. De ses souvenirs de moi. Even for small things I did for his kingdom. Même pour de petites choses que j'avais fait pour son royaume. People were worshiping idols in this land. Les gens adoraient les idoles dans cette terre. And when I became a king, et quand je suis devenu roi, I destroyed all the idols. J'avais détruit tous les idoles. To bring back a true worshiper to a living God. Pour ramener une adoration au Dieu. Let the Lord remember me. Que Dieu se souvient de moi. Even for one, two things I've done for His glory. Même pour une ou deux choses que j'ai fait pour sa gloire. La Bible dit. Prophète a amené la prophétie. Le prophète a amené la prophétie. Amen. Is talking about. Une heure est partie, vous ne voulez même pas écouter de ce que Ézéchias disait. Kwanjia. Mais en route. Dieu lui dit. Tumishuan. Mon serviteur. Go back. Retourne, rentre là-bas. Go back. Rentre chez Ézéchias. Tell him. Dis-lui. I am adding him more years. Je lui ajoute de voir. I am giving him another second chance to live. Je lui donne. I am giving him another opportunity to live. Je lui donne une autre opportunité pour vivre. So I want you to understand this. Donc je veux que tu puisses comprendre. You are born in Christ Jesus. Tu es né dans Jésus-Christ. To succeed. Pour réussir. To go ahead. Pour avancer. To reach there. Pour arriver to fulfill your mission, pour réaliser to fulfill your destiny, ta mission et ta destinée. You are born to be blessed. Tu as été né pour être béni. God will give us time. Dieu va nous donner le temps. We will talk about seven promises to Abraham. Nous allons parler sur les sept promesses d'Abraham. Because these seven promises, parce que ces sept promesses, they are our legacy. Elles sont aussi notre héritage. They are our portion. Elles sont notre portion. We need to experience them.
Nous devons aussi les expérimenter. So when God was blessing Abraham, donc quand Dieu bénissait Abraham, giving him the seven promises, il lui a donné les sept promesses. He said, il a dit, through you, à travers toi, nations, les nations, will receive the same. Ils recevront aussi le même. So you and I, donc toi et moi, born in Christ Jesus, né dans Jésus Christ. The Bible says, la Bible dit, the same God of Abraham, le même Dieu d'Abraham, is now our God. Il est aussi notre Dieu. The blessings of Abraham, les bénédictions d'Abraham, they are now ours. Sont aussi le Dieu. No matter where you are coming from, peu importe de la place où tu viens. Quoi Kikuyu, quoi Kisi, quoi Kama, quoi Jalu, quoi si tu es Congolais, Rwandais, quoi Nani. These blessings, they are becoming your portions in the name of Jesus. Message étant des enfants de Dieu nés dans Jésus Christ, toutes les bénédictions d'Abraham sont aussi tes bénédictions. And your father, et ton père, he wants to cooperate with you, il veut coopérer avec toi, to fulfill these great things in your life, pour réaliser les grandes choses dans ta vie. That's why nataka ubadilishe your way of talking and speaking. C'est pourquoi je veux que tu puisses changer ta façon de parler et de penser. God will not impose you a way of speaking. Dieu ne va pas t'imposer la façon de parler. He wants you to believe in the truth. Il veut que tu puisses croire dans la vérité. Of the Bible. La vérité de la Bible. Of the word of God. De la parole de Dieu. And start speaking as the Bible speaks. Et commence à parler comme la Bible. Start talking like the Bible talks. Commence à parler comme la Bible parle. That's why. C'est pourquoi. Paul a la sema. Paul dit. We have believed. Nous avons cru. That's why we speak. C'est pourquoi nous parlons. So we speak what we believe. Donc nous parlons ce que nous croyons. And we believe what we speak. Et nous croyons ce que nous parlons. Now what do you believe? Et toi, qu'est-ce que tu crois? Because what you believe, parce que ce que tu crois, will be what you will confess. Sera ce que tu vas confesser. But my advice is this. Mais mon conseil est ceci. Believe in the truth of the word of God. Crois dans la vérité de la parole de Dieu. Say amen to the word of God. Dis amen à la parole de Dieu. Receive with faith the word of God. Reçois par la foi la parole de Dieu. And start proclaiming it, start confessing it upon your destiny. Et commence à les confesser dans ta destinée. That's why. C'est pourquoi. Kuja kwangu. Si tu viens chez moi. Oh, Mungu amenionyesha. Oh, Dieu m'a révélé. Ulikuwa ulianguka. Que tu étais tombé. Gari kakugonga. Et la voiture t'a cogné. Tu as fait je ne sais pas quoi. Stop. Je vais dire arrête. Do you think my father? Est-ce que toi tu crois que mon père does not have good plans for me? N'a pas de bons plans pour moi. Mais kutuma. Il t'a envoyé seulement yambie. Pour me dire. Oh, kuna ugonjo inakuja. Oh, il y a une maladie qui vient. Amen. You know, instead of wasting your time thinking about the number of demons, the names of demons, think about the greatness of your God. Yes. Be conscious of the presence of God in your life. Yes. Demons will not have any role to play in your destiny. Au lieu que tu perds le temps à commencer à penser le nombre de démons, ceci, cela, mais prends le temps à penser à propos de la grandeur de Dieu, la présence de Dieu dans ta destinée. Amen. Parce que le diable ne fera rien. Juste parce que quelqu'un a rêvé quelque chose et est venu te dire que non, ma sœur, mon frère, toi au moment où tu louais, tu adorais, tu prêtes l'oreille et il te dit non, j'ai rêvé que toi tu ne vas pas finir cette année. If, parce que les gens aiment écouter de tel genre de paroles. In your life, si dans ta vie, you always dream of bad things, tu ne fais que rêver de mauvaises choses, receiving bad revelations. Tu vois seulement des mauvaises visions et tu reçois des mauvaises révélations. Today, in the name of Jesus, I disconnect you to that system and I connect you to the Holy Spirit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je te déconnecte dans ce système et je te connecte au nom de Jésus. Receive revelations from God. Reçois des révélations de la part de Dieu. Kuna vitu mingi Mungu anataka kukuonesha tu ya maisha yako.
plans na mipango anataka kufulfill your destiny. So your spirit should be sensitive to these things instead of wasting your time. Oh, umesema encore fulani ndio na kujiu. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut te révéler à propos de ta vie, ta famille, ta destinée. Donc sois connecté et sois sensitive à ce que Dieu dit au lieu de perdre le temps à écouter ce qu'on dit que oncle, tante, ceci, cela. Non. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Dunia. Le monde. Tell your neighbor. Dunia. Le monde. Immédiat. Se remplit. Now what we de plusieurs personnes. We are depressed. Ils sont dépressés. You understand? Yes. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Some of them. Certains d'entre eux. They are living under stress. Ils vivent sous stress. And when they are sleeping. Et quand ils dorment. They dream depression. Ils rêvent la dépression. They dream stress. Ils rêvent le stress. Ils t'apportent tout. Ils ne connaissent l'autre. On a des guillemets. Quelqu'un m'a dit non, j'ai des rêves, on est en train de me poursuivre. Amen. On a toujours attaqué mon mouton qu'on a mawaji, bah ya quoi, on a ouvert l'autre et Vous savez, même si quelqu'un a des mauvaises pensées contre toi, il peut aussi rêver ces choses. On a coupé la cambia. Et il vient te dire. That's why. C'est pourquoi. Depression. La dépression. Tell your neighbor depression. Dis à ton voisin la dépression. It is contagious. C'est contagieux. Amen. It is like leper. C'est comme la lèpre. It is like leper. Lepros. La lèpre. Amen. Amen. Me. Someone who is depressed. Quelqu'un qui est dépressé. Who can explain to us the meaning of depression? Qui peut nous donner la signification de la dépression en swahili, en français ou en anglais? What does it mean, depression? Qu'est-ce que la dépression signifie? Depression, rempli de beaucoup de choses. To be filled with many things. Que vous vous dites? Amesema depression is strong. Elle a dit que la dépression c'est la paralysie. Nanimigine. Attends, on m'en va ici. Les gens ne veulent pas me regarder. Hein? Trop de pensées négatives. Trop de pensées négatives. La dépression. Is the fact that someone. C'est le fait que quelqu'un. Has been defeated in his mind. Il a été défié dans ses pensées. Vaincu. Vaincu dans ses pensées. You have been defeated in your mind. Il a été vaincu dans ses pensées. And you are believing that there is nothing you can do in life that can produce something. Et tu crois que tu peux rien faire dans la vie qui peut produire quelque chose. You are believing that there is nothing good that can come out of your life. Tu crois que dans ta vie rien de bon peut sortir. And a person who is depressed. Et une personne qui est dépressée. Is very dangerous. Elle est très dangereuse. Because he sees everything black. Parce qu'elle voit le noir dans toutes les choses. He does not have hope for the future. Il n'a pas l'espoir pour le futur. Most of people were doing suicide. La plupart des gens qui se suicident. It is when they are overwhelmed with depression. C'est lorsqu'ils sont comblés par la dépression. And there is no way out. Et ils pensent qu'il n'y a pas de, voie de sortie. They think everything is closed. Ils pensent que toute chose est fermée. Now someone who is depressed. Donc quelqu'un qui est dépressé. If you sit with him for 2 hours. Si tu t'assois avec lui pour deux heures. You will be contaminated. Tu seras aussi contaminé. Because at the corner, c'est qu'il a kill to black. Parce qu'il va te faire voir toute chose et moi. On a travaillé bien ça. Et tu veux faire cette affaire. Demande-moi, je vais te dire. On a travaillé quand tu veux te marier. Demande-moi, je vais te dire la vérité. On a travaillé quasi. Tu veux faire ce travail. Demande-moi, je vais te dire. Moi j'étais aussi là. Maintenant regarde comment est-ce que je suis devenu. That is your life.
Mais ça, c'est ta vie. That is your destiny. C'est ta destinée. That is what you have chosen. C'est ce que toi tu as choisi. You cannot make your experience to be an experience of someone else. Tu ne peux pas faire que ton expérience devienne l'expérience de quelqu'un d'autre. It is not because you have taken 30 years to build a house that everybody should take 30 years to build a house. C'est pas parce que ça t'a pris 30 ans pour bâtir une maison que une personne aussi autre va apprendre 30 ans pour bâtir sa maison. At 35 years that everyone should be married. 35 years. C'est pas parce que tu t'es marié à 35 ans que tout le monde aussi va te marier à 35 ans. Alléluia. Amen. I married at 35. Moi, je me suis marié lorsque j'avais 35 ans. But I cannot make it a rule. Mais je ne peux pas faire devenir ça comme un règle. Everyone. Pour tout le monde. If a brother is ready at 20. Si un frère est prêt 25. À 20 ans ou 25 ans. Why should I tell you? No, brother, you see, Abana, that is his experience. Pourquoi est-ce que je peux lui dire que non, mon frère, tu vois, tu es encore très jeune? Non, c'est ça. Now, problème. What do we need in the first time? Ali Juaku, when they shall marry, you are cutting one in the 50s. Na mtu mwingine wakati alikuwa 12 years, hata baba yake alikuwa anampatia key. Ingia ndani. Vum. Lakini usitoke pale tu vum. So wewe il y a d'autres personnes qui ont appris à conduire la voiture seulement lorsqu'ils ont 50 ans. Mais il y a de ces, à 20 ans déjà, son père commence à lui donner la clé de la voiture pour commencer à conduire. Dis à ton voisin. Do not make other people suffer. Ne fais pas que les autres personnes souffrent. Because you had a past of suffering. Parce que tu as eu un passé de souffrance. Amen. Tu understand depression? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant la dépression? Mais pourquoi pas? Vous êtes ici. Nous n'avons pas besoin. Vous mangez bien. Nous n'avons pas besoin. Vous vous habillez bien. Non, même pas parce que je suis bagarre. Et vous allez même à l'école en voiture. Est-ce que vous connaissez ce que moi j'ai traversé? Green. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à manger comme moi je mangeais lorsque j'étais petit. Sukuma wiki, misili, dongo. Mimi ni kuba, I was doing 10 kilometers every day pour la shule. Every day, 10 kilometers. Moi, je marchais 10 km pour aller à l'école. To go to school. Pour aller à l'école. Now, meaning your school is just Abba. Et vous, votre école est juste à côté ici. Et vous voulez prendre la voiture. À partir d'aujourd'hui, vous allez aller à pied et rentrer à pied. Why do you want God to bless you? Mais pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? God told Abraham, I will bless you to make you a source of blessing to others. Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. When you are blessed, quand tu es béni, tell your children, dis à tes enfants, enjoy life, my children. Réjouissez-vous de la vie, mes enfants. Enjoy life, my wife. Réjouis-toi de la vie, mes enfants. Enjoy life, my husband. Réjouis la vie. I don't want you to suffer the way I suffered as your father. Je ne veux pas que vous souffrez de la façon dont moi j'ai souffert. All the suffering I went through. Toutes les souffrances que j'ai traversées et tous les prix que j'ai payés. I was dreaming and saying my children will never suffer the way I suffered. Je disais que mes enfants ne souffriront jamais. My children will never cry the way I cried. Mes enfants ne vont pas pleurer de la façon dont moi je pleurais. And for you to get to that level, et pour que tu puisses arriver à you ce need niveau-là, to be a woman of faith in the word of God, a man of faith in the word of God. Tu dois être une foi, une femme de la foi, un homme de la foi dans la parole de Dieu. Not faith in the world system, not faith in your ethnic, not faith in your tribe. Pas la foi dans ta tribu, dans ton ethnie ou bien dans ton pays. It is very shocking. C'est vraiment choquant. Umeokoka. Toi, tu es converti. You are a citizen of the kingdom of God. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Dans la sema. Et tu dis. Wa kabila yetu. Dans notre tribu. Hakuna mtu hajawahi kujenga nyumba ya plot ya sijui gorofa tano. Aucune personne n'a déjà bâti un immeuble de 5 niveaux. Mimi sasa nitafanya aje? Est-ce que moi je vais commencer à construire ça? What God wants from you is this.
Ce que Dieu veut de toi, c'est ceci. What my father was not able to do, I will do it. Ce que mon père était incapable de le faire, moi je vais le faire. My mother did not reach, I will reach there. Là où ma mère n'a pas atteint, moi je vais atteindre là. If my parents were not able to buy cars, I will buy cars. Si mes parents étaient capables d'acheter la voiture, moi je vais acheter. If they were not able to build, I will build and I will even build houses for them. S'ils étaient incapables de construire des maisons, moi je vais le construire et je vais même construire des maisons pour eux. Many people are cursing themselves. Plusieurs personnes se maudissent eux-mêmes. Because parce que of what they are saying. À cause de ce qu'ils prononcent. Amen. Amen. Lorsque je me regarde au miroir, je suis vraiment, je suis vieux. Hein? Est-ce que moi, je vais vraiment me marier, je vais vraiment avoir un mari? Est-ce que je vais vraiment trouver du travail, moi? The way I look at my life, la façon dont je vois ma vie, je ne peux rien faire de bon. Toi, la dame ici. Since the day you met me, my child. Depuis que tu es entré dans ma vie. Regarde la façon dont je souffre. Je vais t'abandonner. Je vais t'abandonner avec tes enfants ici. Quel type des enfants que tu m'as donné? Ces insensés, les enfants insensés. Regarde leur tête comme le tête de leurs ongles. You will never be like me. You will never be like me. Be like your uncles from the side of your mother. Vous ne serez jamais comme moi. Imitez vos oncles là-bas dans la famille de votre mère. You are speaking to your own family. Tu parles à ta propre famille. Why? Tu parles à ta propre femme. Non, maman d'aller nous manger. Tu vas voir la femme de la maison. The way I see, now I too very soon at Anyacha, very soon at Apatamke Mundi. Elle dit que moi je connais très bien mon mari. La façon dont je vois les choses, très bientôt, il va me quitter, il va épouser une autre femme. This woman is making me sick, making me sick. Cette femme sick. Me rend malade. Ask elle me rend malade. To be sick means what? Ce qui signifie être malade. You are making me sick. You are making me sick. You are calling diseases upon your body. Yes. Tu me rends malade. Mais tu es en train d'appeler la maladie dans ta vie. I will kill myself. Je vais me suicider. Every challenge in your life. You just see suicide. Donc toi, tout début dans ta vie, tu vois seulement. Every difficulty in your life, you just see suicide. Toute difficulté, tout problème, tu vois seulement que la suicide seulement, pas d'autre chose. Who is giving you that kind of picture in life? Qui te donne ce genre d'images dans ta vie? Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Comment on attend au ouf? Si tu veux mourir. C'est ton problème. Moi, je ne vais pas mourir. I will live. Je vais vivre. Kuna madina ya chakula ingine tunayonaka tu kwa internet. Umesha kula hiyo chakula? Il y a des noms de nourriture que nous voyons dans l'internet. Est-ce que tu as déjà goûté à ces nourritures? Unajua hata kwa internet nikaona kuna toilet nyingine unaingia bila tissue. Toilet inatoa hiyo vitu. Sasa umeshaingia kwa hiyo unataka kukufa. Dans l'internet je vis un genre de toilette là où tu entres il n'y a pas de papier hygiénique, c'est automatique. Toute chose s'est fait automatique. Est-ce que toi tu as déjà vu de ce type de toilette? Parce qu'on attend que tu fasses du yanni. Et maintenant toi tu veux mourir, pourquoi? I am not dreaming of dying. Moi, je ne rêve pas que je vais mourir. I am not dreaming of dying. Je ne rêve pas que je vais mourir. If you have a prophecy of death, enda patia watu wengine wanataka kukufa. Si tu as une prophétie à propos de la mort, va prophétiser à d'autres
d'autres personnes qui veulent mourir. I have a mission, a great mission. Moi j'ai une grande mission. No witch doctor will stop me from fulfilling that mission. Aucun petit chien ne va m'arrêter pour réaliser cette mission. Nikuambia, je t'ai dit. Mungu alionyesha. Dieu m'avait révélé. Kanisa kubwa. Une grande église. Iko na madhabahu. Ça, l'hôtel. On a fini à tout. Si tu prends seulement le bouton, la chair sort automatiquement. Ça s'ouvre et tu mets ta Bible. Lorsque tu termines, tu prends le bouton et ça rentre. Et pendant que tu es en train de prêcher là, tu marches. Tu soulèves seulement la jambe. Tout est automatique. As a, that is the kind of church you and I we are going to build in the name of Jesus. Mais ça que les gens de Dieu, de toi et moi, nous allons construire au nom de Jésus. Things that I saw in that vision. Les choses que j'avais vues dans cette vision. People were beautiful. Les gens étaient très beaux. Smart. Très beaux. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. You have never seen that kind of smartness. Tu n'as jamais vu ce genre de beauté. People were very smart. Les gens étaient vraiment chics. Covered by the glory of God. Couverts par la gloire de Dieu. Quelqu'un qui te regarde. What can I do to be like him? Et il commence à dire, qu'est-ce que je peux faire pour être comme lui? What have you done to be like the way you are? Qu'est-ce que tu avais fait pour que tu sois la façon dont tu es? And that kind of church. Et ce type d'église. God will put money in my hands. God will put money in your hands. Together we are going to build that kind of church. Dieu va mettre l'argent dans nos mains. Ensemble nous allons construire ce genre d'église. That's why you can dream big. C'est pourquoi commence à rêver grand. Hakuna mchao akuwa wa familia yako. Familia baba, familia mama. Akuwa mlikuwa mnasoma naye shule. Akuwa mnakulala naye. Akuwa among your friend. He will never stop your destiny in the name of Jesus. Aucun sorcier, soit dans ta famille, la famille de ton père, même ton ami, ne va arrêter. You know, ta destinée. Do you know why God is going to bless you? Et tu sais pourquoi est-ce que Dieu va te bénir? And do you know why it is a must for you to be blessed? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Because what God is going to use to build that glorious temple will come from your hands. Parce que ce que Dieu va utiliser pour construire cette temple glorieuse viendra de ta yourself to my vision. Join yourself to the vision that God has given to me. Let us agree together with God and say, together with Jesus, we will achieve great things. C'est pourquoi je vous demande, joignez ma vision, ce que Dieu m'a dit de faire. Ensemble avec Dieu, nous allons bâtir de grandes choses. That's why on 31st. C'est pourquoi les 31. Pendant que nous étions dans la veillée, j'avais dit ceci. Every time the church will grow, your life will grow. À chaque fois que l'église va grandir, aussi ta vie va grandir. And God will bless this church materially, your family will be blessed materially. À chaque fois que Dieu va bénir cette église matérielle, God will bless this church financially. God will increase your finances. À chaque fois que Dieu va bénir cette église financièrement, Dieu va augmenter ta finance. God will make this church powerful. You will be powerful. À chaque fois que Dieu va rendre cette église puissante, every time God will make this church unbeatable, no one will defeat you. À chaque fois que Dieu va faire que cette église soit indéfiable, personne ne va te défier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Why? Pourquoi? Because you and I. Parce que toi et moi. We are in the team of more than conquerors. Nous sommes dans l'équipe de plus que vainqueurs. The one who is ahead of our team, his name is Jesus Christ of Nazareth. Celui qui est en tête de notre équipe, c'est Jésus qui de Nazareth. He will never lose a battle. Il ne va pas perdre. He will never be defeated. Jamais. He will win and he will continue to win. Il va gagner et il va continuer à gagner. And together in his team. Et ensemble dans son équipe. We are going to win. Nous allons gagner. That's why. C'est pourquoi. Dream big things. Rêve de grandes choses. And be the best prophet of your life. Et sois le meilleur prophète de ta Do vie. Do not destroy your life through what you are saying. Ne détruis pas ta vie à travers tes paroles. Do not speak against your brothers and sisters in a negative way. You are releasing curses. Ne parle pas contre tes frères et tes sœurs dans une voix négative parce que tu détruis leur vie. Amen. Tell your neighbor.
Dis à ton voisin. Neighbor. Voisin. The Bible says. La Bible dit. Every tongue. Toute langue. That shall arise. Qui se lèvera. Against you. Contre toi. In judgment. En jugement. You will counsel. Tu vas l'annuler. Then you are my sister. Dis que tu es ma sœur. You are my brother. Tu es mon frère. In the Lord. Dans le Seigneur. If somewhere. Si quelque part, I start speaking against you. J'ai commencé à parler contre toi. And if you are praying, et si tu pries, you are saying, tu disais, I send back to the sender. J'ai every negative speech j'ai dit, that is being said against my life. Et tu as tué les prédicateurs. Can you imagine what you are doing? Tu peux imaginer qu'est-ce qui va arriver? Put yourself on the right side. Mets-toi dans le meilleur côté. Make sure that you don't accuse your brothers and your sisters. Assure-toi de ne pas t'accuser de frères et sœurs. Make sure that you don't play the role of Satan of being accuser. Assure-toi de ne jouer pas le rôle de Satan d'être toujours accusateur. Because. Parce que. Mungu mentioned your nation most of time. Moi, Dieu m'a déjà révélé plusieurs fois. Sometimes tu t'aliona. Parfois, il y a des fois tu vas me voir. Il me get to our office. Je suis dans mon bureau. Amana, I am praying. Ou bien, je suis en train de prier. Parce qu'il y a Holy Spirit dans l'ambiance. Je vais écouter le Saint-Esprit qui dit. What you are feeling? Ce que tu sens. There are people who are meeting somewhere speaking against you. Il y a un groupe de gens qui se rencontrent quelque part et ils parlent contre toi. What am I feeling? Qu'est-ce que je sens? You know migraine. Est-ce que vous savez le migraine? Le mot de tête. They are like symptoms. C'est comme des symptômes. That are telling you that headaches are coming. Qui te dit que le mot de tête arrive? You feel it. Tu le sens. Except, et tu dis ah. You don't want to get headaches. Tu ne veux pas être atteint de the spirit is telling you. Mais l'esprit te dit. What you are feeling? Ce que tu sens. They are tongues. Il y a des bouches. Who are talking against you somewhere? Qui parlent contre toi quelque part. Rise. Lève-toi. Nullify. Commence à annuler. Cancel. Annule. Oh yes. Because. Parce que. Listen to me. Écoutez-moi. When God is calling you. Quand Dieu t'appelle. And giving you a mission. Et il te donne une mission. A role. Un rôle. Play in his kingdom. De jouer dans son royaume. Mungu anajua. Dieu sait. Satan. Que le diable. Will rise. Il va s'élever. Enemies. Les ennemis. Will rise. Vont s'élever. That's why. C'est pourquoi. Mungu anaweka hiyo tunaita a hall of security. C'est pourquoi Dieu met tout autour de toi un mur de sécurité. When he's telling Abraham. Quand il dit à Abraham, I will curse. Je vais maudire. Whoever will curse you. C'est lui qui va te maudire. I will bless. Je vais bénir. Whoever will bless you. C'est lui qui va te bénir. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? God is not telling Abraham because I am blessed. I have blessed you. No one will curse you. No. Dieu ne dit pas à Abraham que parce que je t'ai béni, personne ne va te maudire. I have blessed you. Je t'ai béni. Even if people will curse you. Même si les gens vont te maudire. Whatever they will send against you will go back to them. Tout ce qu'ils vont envoyer contre toi va retourner à la vie. When God is giving you a mission, donc quand Dieu te donne une mission, the same God will protect you. Le même Dieu va aussi te protéger. The same God will make sure that nobody will touch you. Le même Dieu va se rassurer que aucun mal ne va t'arriver. When the Bible says, "Do not touch my anointed ones," quand la Bible dit que ne touchez pas à mes oints, people are thinking we are talking only about pastors, prophets, bishops. No. Les gens pensent que nous parlons seulement à propos des pasteurs, des chants, des évangélistes. Tout enfant de Dieu. He has been anointed by the Holy Spirit. Il a été oint par le Saint-Esprit. The same spirit the bishop have, the same spirit the pastor have. You have that spirit. Le même esprit que le bishop, le pasteur ont. Toi aussi tu as cet esprit. What is best in the kingdom of God? Ce qui est meilleur dans le royaume de Dieu. It is not function. C'est pas les fonctions. But the position. Mais les positions. Ah, you don't understand. Ah, vous ne comprenez pas. What is good in the kingdom of God? Ce qui est meilleur ou bon dans le royaume de Dieu. Is the identity.
C'est l'identité. Not the function. Pas les fonctions. That's why. C'est pourquoi. I'm not serving. Avant que tu dis. Ah, mini pasteur. Moi je suis pasteur. Moi je suis bishop. Moi je suis évangéliste. Moi je suis ABCD. Qui tu as commencé mon attaque pour honorer quoi quoi. La première chose. Child of a child of God, of a son of God, of a daughter of God. Before function, you must be a son, you must be a daughter. La première chose que Dieu veut voir dans ta vie, c'est la nature de l'enfant de Dieu, de l'enfant de Dieu. Avant que tu deviennes un serviteur, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Now, as a son of God, étant que enfant de Dieu, as your father, comme ton père, as you are, comme tel que ton père est, tel que toi aussi tu es, and the father is there. Et le père. Do not touch my anointed ones. Ton père dit que ne touche pas à mes ouins. So where we come to Amun? Et toi, étant qui enfant de Dieu. You belong to the kingship. Tu appartiens dans la royauté. In the kingship, when you read the Bible, in the kingship in Israel. Tu lis la Bible dans la royauté en Israël. You cannot become a king without anointing. Tu peux pas devenir un roi sans qu'on puisse te oindre. Some nations and kingdoms where people they understand these things. Utaona mtu kama ni mfalme amekufa wanataka kuweka mfalme mwingine, they will put oil upon his head. C'est pourquoi tu vas voir dans d'autres nations là où on comprend ces choses. Lorsque un roi meurt, on veut mettre un autre roi, on va mettre l'huile dans la corne. That's why when Jesus, the King of Kings, came, c'est pourquoi quand Jésus le roi des rois est venu, the Spirit of God is upon me. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint. To do A, B, C, D. Pour faire A, B, C, D. And he said, et il disait, I will not leave you alone. Je ne vous laisserai plus jamais seul. I will send to you a comforter. Je vais vous envoyer un consolateur. Quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous, you will receive power. Vous recevrez le pouvoir. When we talk about the anointing, quand nous parlons sur la notion, we are talking about a supernatural power. Nous parlons sur un pouvoir supernatural. You receive from God. Surnaturel que tu reçois de Dieu. To be very effective in your destiny, in your mission, in your career, in your business, in your job. Pour être très effectif dans ta destinée, dans ta carrière, dans ton travail. So you and I, donc toi et moi, we are the anointed ones of God. Nous sommes les oints de Dieu. Because of the work of the Holy Spirit in our lives. À cause du travail du Saint-Esprit dans nos vies. That's et bien, Dieu a dit. Do not. That's why. Okay, so when Paul is writing to Romans church, c'est pourquoi quand Paul écrivait à l'église des Romains. Il disait, bless, béni, your brothers and sisters, ton frère et ta sœur, do not curse, ne maudis pas, you understand? Yes. Because, parce que, look at me, regardez-moi. If this is the body of Christ, si ça c'est le corps de Christ. I am in Christ. Je suis dans Christ. You are in Christ. Toi aussi tu es en Christ. She is in Christ. Elle est en Christ. He is in Christ. Il est en Christ. All of us. Nous tous. We are members of the body of Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. So if I curse you, si je te maudis, or I release a negative word against you, ou bien je libère une parole négative contre toi. Je parle contre toi. I am fighting against the body of Christ. Je suis en train de me battre contre le corps de Christ. That's why Bible in a sermon. C'est pourquoi la Bible dit. Ukiona your brother and your sister. Si tu vois ton frère ou ta sœur. Anatembea vibaya. Il marche mal. Anafanya vitu mbaya. Il se comporte mal. Bible in a sermon. La Bible dit. Go in a secret way. Va dans un lieu secret. Call him. Appelle-le. Talk to him. Parle avec lui. With kindness. Avec amour. If he will listen to you, s'il va t'écouter, me fais la passion. Tu as fait un bon travail. If he does not listen to you, si il ne t'écoute pas, go, va, call a second brother, appelle un deuxième. Come friend. Again, dis encore. Speak to him, parle lui encore. Speak to her, parle là. If he, she doesn't change,
si elle ou il ne change pas, now take it to the church. Maintenant, amène ça à l'église. Since you are members of that church, parce que vous êtes des membres de cette église, the church will help him to change. L'église va l'aider à changer. Now, if it does not change, et maintenant, s'il ne change toujours pas, after being taken to the church, après qu'il soit amené à l'église, consider him as an unbeliever. Considère-le comme un païen. Because mtoto wa Mungu ameokoka. Parce que un enfant de Dieu qui est né de Dieu, il a l'esprit de Dieu. When you give him advice from the Bible, quand il lui donne des conseils à partir de la Bible, with love and kindness, tu le corriges avec amour. The same spirit is doing the same job. Le même esprit fait le même travail. Your spirit and the touch when they come say dear. L'esprit qui t'a touché pour aller l'aider. Is the same spirit will work in him. C'est le même esprit qui va aussi travailler dans lui. Papa, thank you so much, my brother, my il va te dire merci beaucoup, mon frère ou ma sœur. I did not that I was offending people by doing ABCD. Je ne savais pas que j'offensais les gens en faisant from today, I will change. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Thank you so much. God bless you. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. But if you will refuse all that, mais s'il refuse tout ça, ni kusema ajawai kuokoka. C'est dire qu'il n'a jamais été converti. C'est pourquoi la Bible dit considère-le comme un païen. Because spiritual things, parce que les choses spirituelles cannot be understood by non-believers, ne peuvent jamais être compris par des païens. That's why I'm here at Kanisa. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, usifanye debate ya mambo ya Mungu with pagans. Ne fais pas de débat des choses de Dieu avec des païens. Demons will use them to offense you, to frustrate you. Les démons vont les utiliser pour t'offenser et te frustrer. Do you know that demons, they know the Bible? Est-ce que vous savez que les démons connaissent la Bible? Do you know that they know the Bible? Est-ce que vous savez qu'ils connaissent la Bible? You know Satan knows the Bible. Est-ce que vous savez que le diable connaît la Bible? So what to me verses in Bible? Ils vont utiliser certains versets. They will distort them and give another meaning to it, and they want you to accept it. Papa, mami, mimi ndio nasema hivi. Tu wanaona nakalifanya. Mimi ndio nasema hivi. So then you will discuss with them at the end of the day. Unaweza kusema kweli unasema kweli. Ils vont donner une autre signification à ce verset jusqu'à ce que tu seras converti. Tu vas dire oui, bien sûr. Il parle la vérité. Si quelqu'un n'est pas converti, preach him Jesus. Enseigne-lui Jésus. If he believes, s'il croit, the Spirit of God will come in. L'Esprit de Dieu va entrer dans lui. C'est lui qui va commencer à l'aider à comprendre la Bible. But if he does not believe in Jesus, mais s'il ne croit pas à Jésus, laisse-le. Tu as déjà fait ton travail en lui parlant de Jésus. Mais ne fais pas de débat avec lui. That's why Nasema, c'est pourquoi j'ai dit. Every person is born of God, born by the Spirit of God. Toute personne qui est née de l'Esprit de Dieu. Même si aujourd'hui il est ivre, I believe that God will transform him. Je crois que Dieu va le transformer. I believe that God will change him. Je crois que Dieu va le changer. Because a man shall conquer, parce qu'il s'est déjà converti. And the Spirit has started his job in his life. Et l'Esprit a déjà commencé son travail dans sa vie. On a dit aussi, il est tout quoi par l'Esprit. Vous connaissez que quand nous sommes ici à l'église, you don't know your neighbor in Alawati. Tu ne connais pas là où ton voisin a passé la nuit. You understand? The king amekuja kanisani. Mais il est venu quand même à l'église. Kama ameokoka. S'il est converti. Holy Spirit atendelea kufanya kazi. Le Saint-Esprit va continuer à faire son travail. Atasikia mkule niliende nilala si male watoto wa Mungu anaweza. Il va dire non, 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 là où je passais la nuit, non, non, c'est pas là qu'un enfant de Dieu peut passer la nuit. Why am I talking about all this? Pourquoi est-ce que je parle à propos de tout vous ça? My... Pour dire ceci. Do not curse yourself. Ne te maudis pas. And do not curse your brothers and sisters in the Lord. Et ne maudis pas ton frère ou ta sœur dans le Seigneur. Through what you are doing. À travers ce que tu parles ou tu fais. Get to Mubaya. Si tu vois quelque chose de mal,
Pray for the person. Prie pour la personne. Go and talk to the person. Va et parle avec la personne. You will continue to build. Vous allez continuer à construire. Vous savez que notre royaume not about becoming the best among all. C'est pas à propos de devenir le meilleur. It is about umeanguka na kwambia, oh stand up, you will make it. Pendelee, pendelee. I don't umeanguka. Uliona si nilisema. Nilisema sasa wewe ulikuwa adui una plan sasa huyu mtu anguka. Sasa upiga magofu, unaona? Hai watu wanasema, eh mimi ni mbadi, mimi ni mhubiri, mimi ni yasha, mimi ni intercessors. Leo tunamupata. Leo tumemupata. Wamemupata na Bwana wa sijui nani. What are you gaining? In thinking things like that, kama mtoto wa Mungu, you should be on your knees and say, Father, help us so that we may not bring shameful things upon your name. Now, guys. Mais dans notre royaume, c'est à propos de se soutenir, ceux qui sont forts, soutenir les faibles, encourager les uns les autres. Mais pas lorsque tu vois ton frère dans le mal, tu applaudis, tu te réjouis. Non, étant enfant de Dieu, il ne faut pas souhaiter le mal des autres, mais il faut relever ceux qui sont par terre. Mimi, niliokoka. Moi, lorsque j'étais converti, through a friend. Je l'ai converti à travers un ami. Nous étudions ensemble. Every day, Jesus, 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 Jesus. Tous les jours, nous disions Jésus, Jésus, Jésus. Comment dire? Je lui ai dit. If God is alive, si vraiment Dieu est vivant, why am I suffering like this? Pourquoi est-ce que je continue à souffrir comme ça? My father, mon père, qu'on a quasi toujours. Il a un bon travail. Et qu'on a baisse. Il a beaucoup d'argent. Because ya huyu mke amepata. Mais à cause de la femme qui s'est trouvée. Because my mother died when I was nimezaliwa 3 days after my mother died. Parce que ma mère était morte après 3 jours de ma naissance. And my father akasema I will fight. Utaona vile huyu mtoto atakoma. Sitaki kutafuta mama mwingine sahi. So wakati tulipata sijui 9-10 years, then baba anasema huyu wa mwisho amepanda. Sasa I need a wife. À ce temps-là, mon père avait dit que je vais me battre pour que cet enfant puisse grandir. Mais après 10 ans, mon père a dit que non, le cadet est déjà grand, maintenant je peux me remarier. Et quand cette femme est venue dans notre famille, elle nous a dit comme si nous étions très vivants. Elle nous considérait comme si nous étions des concubines de son mari. Elle a commencé à faire des choses incroyables. Est-ce que vous avez déjà vu? Elle va mettre la nourriture dans l'assiette. Elle va jeter la salive sur ça et elle te donne. Elle dit que si tu ne manges pas, sors. Ton père ne va m'amener nulle part. Unaenda shule. Tu pars à l'école. Si mmesha kukambia hiyo story ya huyu huku umevoa kala nyingine, huku umevoa. Non, j'ai déjà donné l'histoire. Shuya huku ni ya kala nyingine, ya huku ni ya kala nyingine. Je vous ai déjà donné l'histoire que quelqu'un porte le babouche changer couleur. Vous êtes quand même raconté l'histoire que j'ai porté les chaussures des femmes. I am preaching. Sorry. Vous voyez cette chaussure? Mais il y a plastique. Mais c'était en plastique. Il y a un maman. Pour les femmes. Moi, j'ai déjà porté ça. Et je partais avec à l'école. La chemise que je portais, c'était pour les femmes. De loin, tu vas voir comme si c'était la chemise homme. Mais de près comme ça, tu vas remarquer que c'est la chemise femme. Et lorsque je traversais tout ceci,
Mon père avait un bon travail. Il travaillait dans un bon, dans une bonne compagnie de diamants. Mais nous, ces enfants, nous souffrons. So when this friend was talking about to me about Jesus. Et quand cet ami me parlait de Jésus, God does not exist. Je lui ai dit non, Dieu n'existe pas. God exists. Si Dieu existait, why this kind of injustice? Je ne devais pas traverser toutes ces choses, toutes ces injustices. Suffering like this. Pourquoi est-ce que nous souffrons comme ça? Like he did not acquachana na mine elle quoi nafanya kelele. Mais il ne s'est pas fatigué, il me poursuivait toujours en me parlant de Jésus. And the day I went to that church. Et le jour que j'étais parti dans cette église, I was seated there où le pasteur a prêché. Je m'étais assis là pendant que le pasteur a prêché. A commencé à prêcher, mon cher. Il a commencé à prêcher à propos de ma vie. So at one point I was trying to cry. At one point I was becoming nervous because I was thinking, anajua nakujaga kwa shule na nguo sijui hivi hivi. Akuja kwa mia huyu pastor, nitaleta huyu my friend on Sunday so preach about him. So I was confused. Either nisimame nitoke, either sijui. So but at the end of the day, wakati alisema tu whoever believes that Jesus can change his situation. Akuje, aleta maisha yake. I didn't know how nilijiona nipata tu huku mbele niko hapo na kuokoka Yesu ni Bwana. Donc, le pasteur prêchait, il prêchait à propos de ma vie. À certains points, je sentais comme si je pleurais, j'étais énervé. Je me suis dit que non, c'est ce type qui est venu parler de ma vie à ce pasteur. Mais à la fin, lorsqu'il a dit que quiconque veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie, qu'il puisse venir devant. I will never forget Jacques. Jacques in English, James. That is the name of that friend. Je ne vais jamais oublier cet ami-là au nom de Jacques. If it is was not for his zeal, perseverance. Si ce n'était pas à cause de son zèle et sa persévérance, would have never been here preaching Jesus. Je ne serais pas ici en train de prêcher le nom de Jésus. But one day, mais un jour, Akanyambia, il m'a dit, I was praying for you. Je priais pour toi. Every day, tous les jours. You were okay. Que tu puisses te convertir. Yes. Que tu acceptes Jésus. And that day when he wanna ukumbele. Et ce jour-là que je t'ai vu aller devant. Parce qu'on a joué à Dieu, on a essayé pour distort maisha yako and give you a wrong picture about your life. Na unajiona unasema I am useless. My father always said you are useless. There is nothing good that can come out of you. So kuna people who have that identity crisis, and because of that, anafanya chochote. Hata kwa shule unafanya vitu mbaya because you are feeling that your life is meaningless. There is nothing good. So, vous savez que à propos de ça, le diable peut changer ta vie et donner une image mauvaise dans ta vie et de dire que tu es inutile dans la vie. Même dans, à l'école, tu vas commencer à faire des choses bizarres en te disant dans toi-même que non, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Donc, je suis inutile. Si tu es un student, tu es un étudiant, tu es un étudiant, tu es un étudiant, Nakuja too, just nataka nikuwa in peace with my parents. Because if I don't come, they will make noise. So I am not here for hizo vitu zote unafundisha. So achana na mimi because ukifanya siyo nini, utaniona. C'est pourquoi tu vas voir un étudiant qui part à l'école. Il s'est déjà troqué. Il a pris du chanvre. Il est parti à l'école. Dans la salle des classes, il va commencer à dire au professeur, tu vois, professeur, tu sais, moi, je ne suis pas ici parce que je veux être ici. Je suis ici parce que mes parents veulent que je sois ici. Alors, si tu blagues, tu vas me voir. But because of the prayers of James. Mais à cause des prières de Jean, Jacques. I was born again. J'étais converti. I'm giving you this testimony. Je vous donne ce témoignage. C'est welcome mtoto wa Mungu. Pour dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, have compassion for the lost ones. Aie la compassion pour ceux qui sont perdus. Pray for them so that they may be saved.
Prie pour et pour qu'ils soient aussi convertis. For those who are saved. Et pour ceux qui sont convertis. Pray for them. Prie pour eux. So that they will not backslide. Pour qu'ils ne puissent pas rétrograder. Amen. Amen. Pray for them so that they will not go back. Prie pour et pour qu'ils ne puissent pas rétrograder. Pray for everyone in each of us here. Prie pour tout le monde ici. Atakama, you don't have all our names. Même si tu ne connais pas tous nos noms. Say, Father, I pray for every member, every brother, every sister, every mama, every papa of our church. Father, be their God. Change their lives. Do something. We want this church to go to another level. Dis que Père, je prie pour tout le monde dans notre église. Sois avec eux. Bénis-les. Nous voulons que cette église puisse avancer. Do you know that maybe mtu anaweza kupatia kazi leo ameketi hapa? Vous savez que quelqu'un peut te donner du travail un jour et il est ici parmi nous. Do you know someone can give you connection to a great things today? Maybe ego na sisi hapa. Est-ce que tu sais que il y a quelqu'un qui est ici un jour il peut te connecter à des grandes personnes? Tell your neighbor. Dis à ton voisin. God knows where we are going. Dieu sait là où nous allons. Whatever you are dreaming for. Tout ce que tu rêves. God will use other people. Dieu va utiliser d'autres personnes. To be a blessing to you. Pour être une bénédiction pour toi. God will use you. Et Dieu va t'utiliser. To be a blessing to others. Pour être une bénédiction pour les autres. And your life. Et pour ta vie. Say, speak well about your life. Parle bien à propos de speak well about your husband. Parle de bonnes choses. Speak well about your wife. Speak well about your children. Parle de bonnes choses. Speak well about your brothers and sisters in the Lord. Frères et sœurs dans le Seigneur. Be the best prophet of your church. Sois le meilleur prophète de ton église. Habari ya kanisa yako. Comment va ton église? Oh, our church is blessed. Ah, notre église est bénie. Our church is powerful. Notre église est puissante. We have powerful singers. Nous avons de puissants. We have powerful intercessors. Nous avons de puissants. Our ushers have done a wonderful job. Notre protocole travaille. God has blessed us with wonderful mamas and wonderful papas. Dieu nous a béni avec de meilleurs mamas et papas. God has blessed us with a wonderful pastor. Dieu nous a donné un meilleur pasteur. You know. Vous savez. When you proclaim all these things, quand tu proclames toutes ces choses, you are calling the presence of God. Tu appelles la présence de Dieu. You are calling the army of God. Tu appelles l'armée de Dieu. You are calling grace and favor. Tu appelles la grâce et la faveur. Yes, a mouth that is speaking well, it is full of grace. It gives life, and these ones they are like medicine to the body. La Bible dit que la bouche qui prononce de bonnes paroles est bénie. Et ces paroles, c'est comme un médecin pour le corps. That's why. Un médicament, s'il every vous plaît. Day, c'est pourquoi tous les jours. Every time, tout le temps. Kama kuna mchawi is thinking negatively against you. S'il y a un sorcier qui pense négativement contre toi. Think that there is a pastor called Pastor Frankie is praying for your success, for your blessings, for your promotion. He's praying for your victory. Sache qu'il y a aussi un pasteur, Pasteur Frankie, qui prie pour ta promotion, ta victoire, ta réussite. That's why. C'est pourquoi. Your life. Ta vie. Will change. Va changer. That's why your destiny. C'est pourquoi ta destinée. Will change. Va changer. That's why your marriage will change. C'est pourquoi ton mariage va your changer. Your children will change. Tes enfants vont changer. Your husband, your wife will change. Ton mari, ta femme That's va changer. That's why all of us in this place, we will change. C'est pourquoi nous tous dans ce lieu, nous allons changer. You will change, Eric. Eric, tu vas changer. You will change. J'ai dit tu vas changer. Your destiny will change. Ta destinée va changer. Because tu m'écoutes karibu na Mungu anabadilisha mambo. Parce que nous nous sommes approchés de Dieu qui change les situations. My God is going to create a turnaround in your life. Mon Dieu va changer, créer un changement dans ta vie. So si tu regardes the way you are, donc ne te regarde pas la façon dont tu es. Look down at yourself. Et tu te minimises toi-même. You are a champion.
Tu es un champion. You are born to succeed. Tu étais né pour réussir. You are born to win all your battles. Tu étais né pour gagner à toutes tes batailles. You won that battle when you was in the your mother's womb. Tu as gagné déjà cette bataille lorsque tu étais dans le sein de ta mère. When you were not even able to speak to talk, you won that battle. Quand tu étais incapable de parler et de marcher, tu avais déjà gagné. If you run, si tu fuis, if you want in that race, dans cette course, in the womb of your mother, dans le ventre de ta mère, you were running against millions and millions of chromosomes. Tu courais parmi de milliers et de milliers de chromosomes. And you won. Et tu avais gagné. My sister, you won against men. Ma sœur, tu sais que tu avais gagné contre les hommes. X. Et contre de milliers. When you were not able to defend yourself. Lorsque tu n'étais pas capable de te défendre. And by the grace of God. Mais par la grâce de Dieu. You were conceived. Tu as été conçu. So. If you won that battle, alors si tu avais gagné à cette bataille, what kind of demon is going to defeat you in life? Quel genre de démon qui vont te défier dans la vie? What kind of witch doctor is going to stop you in life? Quel genre de féticheurs qui vont t'arrêter dans ta vie? Macho ya Yesu, les yeux de Jésus. Ikujui ya kanisa. Amen. Sont sur l'église. Na wewe ni kanisa. Et toi tu es l'église. Na wewe ni member ya kanisa. Et toi tu es le membre de l'église. Because the eyes of Jesus are upon your life. Parce que les yeux de Jésus sont sur ta vie. That Jesus will make sure that you will succeed. C'est Jésus va se rassurer que tu vas réussir. Aussi acha Jesus. N'abandonne pas Jésus. Do not abandon your faith. N'abandonne pas ta foi. Do not quit your faith. N'abandonne pas ta foi. Do not abandon Jesus. N'abandonne pas Jésus. Hata ukikuwa na shida na mtu usiache Mungu. Même si tu as des problèmes avec quelqu'un. N'abandonne pas Jésus. Shida na bwana yako na mume wako usiache Yesu. Même si tu as des problèmes avec ton mari, n'abandonne pas Jésus. Even if you have problems with your sisters, with your brothers, in your family, do not abandon Jesus. Même si tu as des problèmes de conflit avec tes frères et sœurs dans la famille, n'abandonne pas Jésus. Unasikia mtu anasema because nilikuwa na kelele na mume wangu, leo sitaenda kanisa. Mungu amefanya nini between hiyo kelele na wewe? Mungu amemfanyia nini? Tu vas écouter quelqu'un qui va dire que non, parce que j'avais le terrain avec mon mari, je ne vais pas aller à l'église. Qu'est-ce que Dieu va faire avec tous ces terrains? C'est ce Jésus qui va t'aider pour vivre bien avec ton mari. C'est ce Jésus qui peut transformer cette soeur, ce frère, ta mère. So instead of going and running to him, namwambia, Baba, angalia mume wangu, angalia mamangu, angalia my brothers. Father, change them. Unasema because wamefanya hivi. Leo sitaenda kanisa. Au lieu que tu t'approches à Jésus, tu commences à intercéder pour tes frères et sœurs. Toi, tu commences à dire que non, je ne vais pas aller à l'église parce qu'ils ont fait ceci, cela. The church to every child of God is it like a city of refuge. L'église pour tout enfant de Dieu, c'est comme une cité de refuge. Where Jesus is waiting for you to help you to assist you. Là où Jésus t'attend pour t'aider et pour t'assister. Because I'm saying I will build my church. Parce qu'il a dit que je vais bâtir mon église. The power of hell will never prevail. Et la puissance de l'ennemi ne va pas le défier. So if you are a member of the church, donc si tu es le membre d'une église, the power of hell will never defeat you. La puissance du monde des ténèbres ne va pas te défier. So do not be out of the church. Donc ne sois pas à l'extérieur de l'église. Make sure. Rassure-toi. I can have problems with my tribe. I can have problems with my ethnic, my clan. I can have problems with my family. But I am sure, I with my God, with my church, we are living well. Donc, tu, rassure-toi, tu dis que je peux avoir des problèmes avec ma tribu, mon ethnie, mon clan, mais moi, avec mon église, nous serons en bon terme avec Jésus. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, we should not fight about these things of tribes, these things of ethnics, the best thing you should promote, kama mtoto wa Mungu, it is the family of God, where there is no hii kanisa si ya Kikuyu, si ya Wakamba, si ya Wajalu, si ya Wakongomani, si ya people from Ethiopia, from Rwanda, from Burundi, from Tanzania.
this church belongs to Jesus. Amen. And whoever is born again can be a member of this church at any time, at any moment. That is wrong. C'est pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons pas nous battre à cause des tribus, des ethnies ou de quoi que ce soit. Nous devons chercher les intérêts de notre famille, la famille de Jésus-Christ, pour que nous puissions nous battre. Et si tu vois dans l'église, quelqu'un qui cherche à demander. Quelqu'un qui cherche à savoir toi tu viens d'où, tu es de quelle ethnie, la façon dont je te vois parler, je vois comme si tu viens de Okambani. La Bible dit, now in Christ Jesus, dans Jésus Christ, there is no Jew, there is no Greek, there is no ABCD. All of us, we are one in Christ Jesus. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de quoi que ce soit. Nous tous, nous sommes un dans Jésus Christ. And as a family of God. Et étant que famille de Dieu. Our bond, our link in Christ Jesus, it is more stronger than our blood from where we are coming from. Yeah. Nos liens dans la famille de Jésus-Christ est plus fort que les familles dont nous venons, nous provenons. Yeah. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Do not be my friend in the church. Ne sois pas mon ami dans l'église. Because. Umesikia that accent yangu ni kama tunatoka kwa kabila moja. Je sais pas ce que tu as écouté que mon accent est comme si nous venons de la même tribu. Mwambia ukikuja na hiyo spirit. Dis-lui que si tu viens avec cet esprit, you are lost. Tu es perdu. Now listen. Mais là écoutez. For you to cancel self-imposed caste through negative way of speaking. Pour que tu puisses annuler l'auto-malédiction à travers de paroles négatives. You do three things. Tu dois faire trois choses. Number one. Premièrement. You repent. Tu dois te repentir. Ask God. Demande à Dieu. Forgive me. Pardonne-moi. Because I was being saying negative things against my destiny, my life, my house, my family. Parce que je parlais de paroles négatives contre ma vie, ma destinée, ma famille, ma maison. Against my brothers, my sisters, even against my church. Je parlais contre mon frère, ma soeur, même contre mon église. Forgive me for that. Pardonne-moi pour ça. Number two. Deuxièmement. You cancel. Tu annules. The church is the same against my brother, my sister. I cancel. I nullify it. Toute parole négative que j'avais prononcée contre mon frère et ma sœur, j'annule ça. Tout ce que j'avais parlé contre moi-même, j'annule ça. Number three, troisièmement, you replace. Tu remplaces. Whatever you say, I am useless. You say, I am useful. I will achieve great things. I will be becoming the best prophet of your life. Là où tu avais dit que je suis inutile, dis maintenant que je suis utile. Je vais faire de grandes choses et je vais devenir le meilleur prophète de ma vie. That is the kind of prayer we are going to do right now. Ça c'est le genre de prière que nous allons faire. I want maintenant. You to stand up. Je veux que tu puisses te mettre debout. Et nous allons prier ensemble. I want to give you time. Je vais vous donner le temps. To pray. De prier. But before that, mais avant ça, kama huko hapa, si tu es ici, you have never given your life to Jesus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. And you are saying, et tu dis, today, aujourd'hui, I want to surrender my life. Je vais abandonner ma vie to Jesus. À Jésus. And I accept Him as Lord and Savior. Et l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. I want to pray together with you. Je vais prier ensemble avec toi. Kama uko hapo, si tu es là, raise your right hand. Lève ta main droite. If you are there, we close our eyes. Nous tous nous allons fermer nos yeux. In the mode of prayer. Dans l'attitude de prière. I want to pray together with you. Je vais prier ensemble avec vous. Just raise your right hand. Lève ta main droite. And we will pray together. Et nous allons prier ensemble. Thank you, my brother. Merci, mon frère. Who else? Ne regarde pas les gens, ferme ta bouche s'il te plaît. Tes yeux. Appuie la tête de Nani. So let us pray together with our brother.
prions ensemble avec nos frères. Brother, repeat this prayer. Frère, répétez cette prière. And the entire church will support you. Et toute l'église va te supporter. Heavenly Father. Père céleste. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I surrender my life. J'abandonne ma vie. Unto you. En toi. And I accept you. Et je t'accepte. As my Lord and Savior. Comme mon Seigneur et Sauveur. Forgive me. Pardonne-moi. For the evil way I lived. Pour la façon mauvaise que je vis. Sanctify my life. Sanctifie ma vie. Cleanse me. Purifie-moi. Through the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. Make me. Fais de moi. A new person. Une nouvelle personne. You Satan. Toi Satan. From today. À partir de jour. I renounce you. Je te renonce. I revoke you. Je te révoque. I divorce you. Je te divorce. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. From today. À partir de jour. I will live. Je vais vivre for Jesus Christ. Pour Jésus-Christ. I will follow him. Je vais le suivre. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Now I'm giving you 2 minutes. Maintenant je vous donne 2 minutes. To pray. De prier. Number one. Premièrement. Tell God to forgive you. Dis à Dieu de te pardonner. Ask God for forgiveness. Demande pardon à Dieu. For every vain word, every negative thing you say against yourself. Pour toutes les paroles négatives et les mauvaises choses que tu as prononcées. Ambia Mungu na maneno nilisema hata nimesahau zingine. Forgive me for those I remember and even for those I have forgotten. Dis à Dieu que j'ai même oublié d'autres paroles que j'ai prononcées, mais je veux que tu puisses me pardonner pour les paroles que j'ai prononcées. Pardonne-moi. Forgive me for speaking against my family, my house, my job, my career, my church, my projects. Let us pray in the name of Jesus. Prions au nom de Jésus. Gloria, tata, shi, tata,